Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce Premium Live Event WWE Payback. Et on commence avec un match pour le titre des États-Unis. Et on accueille le challenger Sami Zayn. Et oh, il est accompagné de Kevin Owens. Sami Zayn est accompagné de Kevin Owens pour son match de championnat. Certainement sa dernière chance pour ce titre des États-Unis tant convoité, détenu par le A-Town Down. Et Kevin Owens va peut-être être un acteur très important dans ce match. Motiver Sami Zayn est une chose, l'aider en est une autre. Ça fait extrêmement plaisir de voir les deux réunis en équipe. Ah, une alliance comme on aime. Allez, ce soir, Sami, c'est ton soir ou jamais. Let's go, A-Town Down. Et voici notre WWE United States Champion, représentant de la Nexus et accompagné de Carmelo Hayes, le leader de cette nouvelle Nexus. Oh, chacun un allié dans son coin en tout cas. Et oui, la Nexus est de retour du côté de NXT avec Carmelo Hayes en tant que leader. Et Austin Theory, c'est un petit peu le représentant de cette Nexus dans le main roster. Allez, Austin Theory contre Sami Zayn. C'est la première fois, il me semble, que l'on voit les deux s'affronter en Premium Live Event pour le titre des États-Unis. Les autres fois, c'était que pendant les épisodes de SmackDown. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, bien évidemment, à ce Premium Live Event. Votre match préféré, votre nôtre, et tout ce qui vous passe par la tête. Titre est en jeu. À nouveau. Introducing the challenger from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 212 pounds, Sami Zayn. And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds. He is the WWE United States Champion, Austin. Voilà pour la présentation des deux superstars. Maintenant, place au combat, au fight. Le gagnant repartira avec cette magnifique et très belle ceinture. Et le match commence. Et c'est Austin Theory qui commence avec un tacle. Oh, avec un coup de poing sur Sami Zayn. Et il commence très fort, le champion. Il sait très bien de quoi Sami Zayn est capable. Ils se sont tellement affrontés de fois qu'ils se connaissent par cœur. Oh, et Sami qui s'écroule à l'extérieur. Attention, Carmelo. Carmelo Hayes qui s'en mêle. Projection dans le coin. Effacement dans le coin. Coup de poing d'Austin Theory. Projection dans les cordes. Et le coup de genou. Oh, le coup de pied. Projection dans les cordes encore. Oh, et Sami Zayn qui avait la garde. Oh, c'est bien fait ça de la part du challenger, la prise de soumission en plein centre du ring. Austin Theory qui ne va pas pouvoir faire grand chose si réussit à se dégager. Oh, la belle esquive de cette descente du coude. Et dropkick de Sami. Projection dans le coin.
Efface contre le coin. Oh là là, il tente de tomber. Un. C'est insuffisant et beaucoup trop tôt pour espérer une victoire. Et Sami Zayn qui tente de voler là. Un. Ça se tentait, ça se tentait. Il y avait peu d'espoir. Et dropkick sur le visage. Eight arm down qui est esquivé, qui reprend l'avantage. La chairman suplex. Et oui, il lui étire la jambe gauche. Tentative de tomber. Oh là 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 là. Sur Sami Zayn, Sami Zayn, magnifique. Oh Carmelo, oh Carmelo, est-ce qu'il vient perturber Sami Zayn et lui demander ce qu'il a mangé à midi. Et Austin Theory qui en profite. Les deux membres de la Nexus qui s'entendent très bien. Carmelo, Eyes et Austin Theory. Et le coup de chaud. Oh là là. Dévastateur. On sait que Austin Theory a plus de victoires sur Sami Zayn que Sami Zayn n'en a. Et la clothesline. Et on voit. Dropkick. Allez, allez Sami. Oh non, oh non, Carmelo qui vient encore le perturber. Et Kevin Owens, il pourrait également perturber aussi Theory, non? Il pourrait faire un effort. Projection dans les cordes. Ah, la coup de vision. Coupe de Sami. Pied, le DDT. Qu'est-ce que... On a entendu le bruit d'une chaise. On a entendu le bruit d'une chaise. Oh, le big button of face. C'est Carmelo Hayes qui est en train d'enlever la protection du coin. Quel tricheur. L'arbitre, elle est où? 1, 2... Et oui. And new United States Champion. Sami Zayn l'a fait. Oh, oh, que ça fait plaisir. Enfin, enfin, Austin Theory est battu. Et enfin, Sami Zayn est un nouveau champion. Oh là là. Il était temps et c'est à Payback que ça se produit. Let's go, Sami. La suite de WWE Payback est désormais ici et on accueille, mesdames, messieurs, un match pour les Undisputed WWE Tag Team Championship. Les challengers arrivent. Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser, Imperium sont bien là ce soir pour challenger des champions par équipe indisputée qui sont normalement imbattables, hein, Brock Lesnar et Drew McIntyre. On rappelle ce soir le main event, problème dans la famille Bloodline et surtout problème dans la famille des Uso, hein. Règlement de compte dans le main event, Jimmy Uso affronte son frère Jay Uso, mais on aura bien évidemment d'autres matchs, hein, notamment ce match par équipe, mais aussi le titre du monde poids lourd. Sheamus défend le titre contre AJ Styles. Bayley met son titre de championne du monde féminine contre Indy Hartwell. Et également un match en cage nous attend. Asuka affronte Bianca Belair. Mais en attendant, on a ce match par équipe qui est très important pour la suite. Que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, j'ai une énorme envie de voir Imperium décrocher la victoire et de remporter les titres. Je ne sais pas vous.
Mais l'équipe Brock Lesnar et Drew McIntyre, je pense qu'elle a fait son temps, je pense qu'on en a vu assez. Et donc j'aimerais du changement. Voilà. Mais il est important de noter qu'ils ne sont pas accompagnés de Gunther. Ah. Intéressant. Intéressant de voir ça, Gunther n'est pas là. Alors qu'on accueille la première moitié des champions par équipe à disputer. The Scottish Warrior. Drew McIntyre. Il a perdu le titre indisputé universel de la WWE lors de SummerSlam contre The Tribal Chief, Roman Reigns. Maintenant, bon, il reste quand même deux ceintures par équipe de Raw et SmackDown. Il s'en sort pas trop mal et il a un coéquipier que l'on pourrait caractériser de bête. Voilà, une bête féroce qu'il ne faut surtout pas lâcher en liberté, Brock Lesnar. Alors, du côté des statistiques, Brock Lesnar et Drew McIntyre devraient gagner. Mais il y a une chance que Imperium gagne car ils ont déjà battu Brock Lesnar et Drew McIntyre lors d'un Raw il y a de cela quelques semaines. Mais logiquement, Brock et Drew devraient conserver leur titre. Here comes the pain. Brock Lesnar arrive. C'est incroyable. Brock Lesnar et Drew McIntyre en équipe, c'est une chose que je n'aurais jamais imaginé. C'est improbable. Mais c'est là, c'est fait. Ils sont dans l'histoire. Le fait que Brock Lesnar ait remporté ses titres par équipe fait de lui un Grand Slam Champion. Il a remporté tous les titres à la WWE. Titre WWE universel par équipe de Raw, par équipe de SmackDown, champion intercontinental, champion des États-Unis et également champion du monde poids lourd il y a de cela quelques années maintenant. Vous vous rendez compte que ce mode univers, ça fait 8 ans qu'il dure. Il a déjà 8 ans ce mode univers depuis le début officiel de la série qui a commencé en 2015 avec Extreme Rules. Waouh! Waouh! C'est pas incroyable! Tout le monde est là! Maintenant, place à l'action! Ce sont bien les deux titres qui sont en jeu. Introducing the challengers at a combined weight of 440 pounds. Ludwig Kaiser and Giovanni Vinci. Imperium. And their opponents at a combined weight. 549 pounds. They are the Raw Tag Team Champions, Drew McIntyre and Brock Lesnar. Cette équipe, ah, c'est incroyable. C'est vraiment la puissance incarnée des deux. Ils sont tout pour rester imbattables. Clairement, je ne vois pas qui pourrait les battre. Je ne vois pas. Alors, qui va commencer? Ludwig Kaiser et Drew McIntyre. Forcément, je l'avais deviné. Et le match commence. Les titres par équipe à disputer sont en jeu. Tout est en jeu pour ces deux équipes. Ludwig Kaiser commence. Percute, point. Et encore une percute. Et McIntyre revient. McIntyre est face contre le point.
prochainement. Oh, oh là là. Contact. Et Drew McIntyre face contre le coin. Le changement avec Brock Lesnar. Sur la prise à deux. Oh, oh, très belle exécution. Et le changement est fait avec Giovanni Vinci. Oh, j'ai cru qu'il allait faire un fine. Je me suis dit que c'était peut-être un peu trop tôt tout de même. Attention, Brock Lesnar. Powerbomb. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Attention, Brock. Qui revient. Oh, le percut en plein dans le visage de Giovanni. En tout cas, il fait le changement avec Drew à nouveau. Le contact, la souplesse arrière portée par l'Écossais. Autant vous le dire tout de suite, vous l'annoncez que c'est le retour hein, des shows hebdomadaires Raw et SmackDown commentés par moi-même. Il ne l'était plus à cause de fortes chaleurs, hein, parce que comme vous le savez, on est en été, c'est compliqué. Mais ça s'est un petit peu calmé, donc maintenant ça devrait aller. Et on sera bel et bien de retour, désormais pour Raw et SmackDown. Et bien sûr les Premium Live Events que nous continuerons de vivre ensemble. Comme nous faisons ce soir pour WWE Payback. Et Drew McIntyre, et c'est Ludwig Kaiser maintenant face à lui. L'Allemand contre l'Écossais, et coup de coude. Ça a calmé les potentiels prochains de Drew McIntyre. Contact, et la souplesse. Oh non, il a projeté, il a laissé tomber de haut. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Oh, la manchette à l'arrière de la tête. Ça doit faire oui, bah, extrêmement mal, hein, ça c'est sûr. Giovanni Vinci à nouveau. Qui d'ailleurs l'enchaîne de coups de pied là sur le bec. Giovanni qui revient. Et face contre le point. C'est terrible. Hein. Oh, joli contre de Drew McIntyre qui a totalement brisé les rêves. Les mauvaises intentions de Giovanni Vinci. Face contre le point encore, hein, le changement avec Brock Lesnar est fait, et la prise à deux, et le double surpassement par-dessus les épaules, surtout que Drew McIntyre est grand. Ah, je sais pas si vous êtes déjà tombé de haut, mais... ce serait bien que Imperium gagne quand même, première fois champion par équipe. Je pense qu'ils ont assez prouvé de quoi ils étaient capables pour avoir le charisme d'une équipe champion. Tu peux dire, Brock Lesnar le tombé. Un. Et c'est cassé par Ludwig Kaiser. Qui est là. Injection dans les cordes. Et Brock Lesnar qui évite. Oh, mais qui se fait quand même avoir stupidement. Hein. Je pense que c'est un peu trop tôt pour essayer
et espérer battre Brock Lesnar pour le compte de 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est à l'extérieur du ring. Il y a les décomptes extérieurs, bien évidemment. Oh, le coup de genou! Et on est de retour dans le ring. Et on fait le coup de poing. Ludwig Kaiser, la projection en arrière. L'arbitre! L'arbitre, il est où? Mais qu'est-ce qu'il est lent, cet arbitre? Non, mais il va falloir le supprimer, là. Enfin, le supprimer, le licencier. Ah, vous m'avez compris, non? Peut-être. Oh! C'est bien fait de la part de Brock. Souplexer les bitches. Un. Oh, il tient la corde. Il tient la corde, Ludwig Kaiser, ce qui annule le tombé. Qui s'amuse avec le bras gauche de Drew McIntyre. Oh là là, il s'amuse, ouais, il le blesse plutôt. Giovanni Vinci qui saigne d'ailleurs, il a une ouverture au niveau de l'arcade. Oh, magnifique de la part de Drew. Et ça ne suffit pas pour... Oh là. Oh là 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 là. Pff, il va projeter comme si c'était une feuille. Il va le tenter. 1, 2, dégagement de Vinci. Attention, attention. Il suffit d'un moment de faiblesse pour ne pas savoir se dégager. Drew McIntyre qui voulait, hein, il voulait le faire le 3-2-1. Mais il préfère faire un changement avec The Beast. Oh, c'est bien fait. Un coup de genou de la part de Brock Lesnar. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à Kaiser. Il s'en prend à Ludwig Kaiser. Aïe aïe aïe. Il a rien demandé. Il a rien demandé, non. Lesnar détruit Imperium. Ah non, il détruit pas. Il se fait avoir. Il revient avec un coup de pied. Oh. Et le changement est fait avec Drew. Ils sont plutôt pas mal là, les champions par équipe. Powerbomb. Allez, on va l'avoir cette fois. Ah non, on n'a toujours pas ce Claymore. On va l'avoir, on va peut-être en avoir plusieurs. Ouf, ça a fait. Tentative de tomber. Bon, oh oui, mais il est trop lent cet arbitre aussi. Il faudrait qu'il se jette au sol à la seconde près. Ouf. Oh, c'est à l'ancienne ça, c'était son tout premier finisher. Dans les années 2009-2010, il me semble qu'il a fait ses débuts à cette époque. En tant que Chosen One, un, non, même pas un. Ludwig Kaiser est venu casser ce tombé.
Oh, oh, la petite intervention de Drew qui profite à Brock. Allez, peut-être un F5, oui. Le F5, le premier de la soirée. Oh là, le Ficaïsseur qui a brisé les rêves de tout le monde. Allez, Suplex City. Suplex City. Et Suplex City. Deuxième F5. Oh, il s'est échappé, Giovanni. Le changement est fait avec Drew. Ouf. Sur le dos. Oui, oui, cette fois c'est bon. 3, 2... One. Claymore. Oh. Ouh. Même pas un. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Hein. Quand un tankle tombe, il faut que son coéquipier aille empêcher l'autre d'intervenir et de casser ce tombé. Ces titres par équipe à disputer sont très très combattants, sont très disputés, voilà, disputés. Et les quatre superstars présentes se donnent à fond. Oh, oh bah oui, bah, on pousse à fond aussi. Oh, mais allez, 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 mais non, mais non, mais c'est pas possible. Shaman Suplex. Come on. Oh, Giovanni, les coups de coude. C'est très bien fait, c'est très très bien fait. Le changement est fait avec Ludwig Kaiser. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est certainement le match le plus long de ce Premium Live Event. Mais les autres ne le seront pas tout autant, tout aussi long. Je pense pas. Oh là là, heureusement que Brock était là. Par contre, Giovanni Vinci, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ah, il fait rien, il a laissé croire à Brock Lesnar qu'il allait tenter une approche, mais non, ça a été avorté. Oh, le figure four leg lock porté par Ludwig Kaiser. Brock Lesnar qui vient frapper l'arbitre. Oh, il s'est trompé de cible. Et Vinci. Et Vinci qui intervient. Oh, bah qui se fait. Il se fait avoir, ah, mais ils se font avoir là, les deux. Oh, Ludwig Kaiser qui s'échappe, c'est bien. Oh, c'est très très bien ça. À la part du membre d'Imperium. Et la projection en arrière. Le tombé. L'arbitre. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait cet arbitre? Non, mais il faut faire quelque chose pour cet arbitre là. Il comptait au ralenti. Oh, on aurait dit un jeu vidéo où on était à 2 FPS. Il comptait au ralenti. Comme s'il y avait des lags. C'est incroyable quand même. Ah, c'est R2. C'est un monde parallèle. Oh, contre la table. On le sent, hein, qu'on arrive à la fin de ce match. Les deux équipes arrivent au bout du bout.
Giovanni Vinci peut-être pour mettre fin à ce calvaire et remporter les titres par équipe. Allez pour la victoire. 1. Oh, Brock Lesnar qui casse tout. Casse surtout les couilles. Et ça, c'est un autre problème. Oh, ça c'est bien fait. Giovanni. Aïe 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 aïe. 3, 2, 1. Claymore. 1, 2, 3. And still. Undisputed WWE Tag Team Champions. Brock Lesnar and Drew McIntyre. Eh oui, au terme d'un match très disputé, très compliqué pour les deux équipes. Here are your winners, and still the Raw Tag Team Champions, Brock Lesnar and Drew McIntyre. Il reste champion et le règne continue pour ces deux hommes. Mais jusqu'où? Mais surtout qui va réussir à les battre? Parce qu'ils ont l'air vraiment imbattables. Et c'est l'heure d'un match en cage féminin. Et ça fait extrêmement longtemps que l'on n'a pas eu un match en cage féminin. Et on accueille. The following contest is a steel cage match. Making her way to the ring from Osaka, Japan. Asuka. Elle nous vient de Kyoto au Japon. C'est l'impératrice de demain en bon français. Mais en anglais on dit The Empress of Tomorrow. Qui a beaucoup plus de classe dans la prononciation que notre simple français. Hélas, elle est là, la potentielle future challengeuse pour le titre de Bayley. Si elle le conserve ce soir, Bayley, ce sera juste après ce match. Et ça risque d'être très très intéressant. On aime bien Bayley. On aime bien Bayley, mais on en a marre de l'avoir champion. Alors il va falloir faire une décision, prendre une décision. Pour Indy Hartwell, est-ce qu'elle a assez en elle pour battre Bayley? On le saura tout à l'heure. En tout cas, Asuka en mode japonaise Oni. Je ne sais pas si vous connaissez les Oni. Et son adversaire, la Miss Money in the Bank. Bianca Belair. Et ici, alors ce match n'a pas d'enjeu concrètement, mis à part que la gagnante montera dans le classement pour devenir potentiellement challengeuse pour le futur. Et Bianca Belair ne vient pas avec sa mallette. Très bien. C'est sûr que pour le coup ça ne va pas lui servir à grand chose, mais on rappelle que elle peut l'encaisser quand elle veut, où elle veut, même en PLE. Ça fait beaucoup de E, mais bon, voilà, hein, voilà. Bianca contre Asuka. Steel Cage Match, Payback 2023. C'est tout de suite. Et allez, le match commence et c'est Bianca Belair qui... Oh, qui porte les premiers coups sur Asuka, qui est une très très belle tenue d'ailleurs. Alors, le moyen de s'échapper, c'est par tomber. Soit par tomber, soit on escalade toute la cage et on descend. Il faut que les deux pieds touchent le sol. Ou alors, on peut demander à l'arbitre d'ouvrir la porte, comme vous voyez, au premier plan. Ça ne s'est jamais fait.
Oh, Bianca. Qui tente déjà. Ouais, mais c'est un petit peu... C'est un peu stupide de tenter de s'échapper aussitôt dans le match. Oh, oh ben, la chute. Oh, Asuka. Asuka qui demande qu'on ouvre la porte. Oh, et Bianca qui lui fonce dessus, bien sûr. Et l'arbitre annule l'opération, donc. Ah, il me semble que personne n'a réussi à s'échapper de la cage par la porte. Hein. Depuis plus de 8 ans qu'il y a des matchs en cage. Ça ne s'est jamais vu l'ouvrir. Oui, attention, 1... 2 et non, dégagement. Oh, Asuka qui est violent entre le codebreaker à la Chris Jericho. Que l'on salue bien sûr. Qui a fait une performance exceptionnelle au Wembley Stadium il y a de cela quelques jours. Asuka qui tente de s'échapper. Et Bianca, relève-toi vite! C'est bon, Bianca Belair est là. Bianca Belair qui se jette. Oh, et c'est le genou. Ce sont les genoux qui accueillent. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, Bianca. Oh, Bianca. Oh, oh, oh. Tentative de tomber. 1, 2, et dégagement. De la japonaise. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de commenter ce Premium Live Event. Ce soir, on a de bons matchs. Oh, elle va le tenter. Elle va le battre. Ça y est, c'est fini. 1, 2, et non, dégagement de Asuka. Et les fans qui scandent Women's Wrestling. Oui, bah en même temps, on a deux très talentueuses femmes à l'intérieur de cette cage. Oh, 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 par contre, oh, Bianca Belair, Bianca Belair. Oh. Asuka qui va tenter de s'échapper. Elle n'en aura pas l'occasion. Du moins, elle n'ira pas au bout. Sa tentative. Oh, la chute. Ah oui, plus tu montes haut, plus la chute est terrible. C'est... Bah, c'est comme une montagne, quoi. Mais éviter de tomber de l'Everest, quand même. Il faudrait déjà arriver à le grimper. Bianca Belair. Et qui se jette sur Asuka. Je parle pas d'Asuka Tano, bien sûr. Hein. C'est pas le même univers. Asuka et Asuka. C'est. Non, c'est pas pareil. Il y a du maquillage sur le visage, c'est vrai. Il y a de la peinture faciale. Oh, oh, le reversal kick. C'était par la japonaise Bianca Belair qui s'échappe. Bianca, attention, si elle la remet au sol. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de s'échapper par le point de la... Non? Qu'est-ce que... Oh, mais quelle stupidité, Asuka qui a esquivé ce saut. Magnifique. Oh, Asuka, attention, elle est au sommet de cette cage. Oh non. Oh, Bianca qui monte aussi. Est-ce qu'elle va réussir à la rattraper? Oui, elle va réussir, elle va réussir. Amen. Aïe aïe aïe. Écoute en dos. Oh ben non mais. Oh là là, mais elle va tomber, elle va tomber. Bianca, it's your time now. Oh là là, Bianca Belair. Attention à Asuka qui se relève. Elle aura jamais le temps, Bianca. Elle aura jamais le temps. Ah, ça s'est joué à rien. Mais Asuka est là. Elle est de retour. Et elle la ramène. En lui disant, mais où tu comptes aller comme ça? Oh là là. Oh non.
Oh, elle se relève de suite, Bianca. Regardez cette férocité. Attention, parce que là, c'est peut-être le powerbomb décisif. Oh là là. Elle demande à ce qu'on ouvre la porte. Mais c'est trop tard, mais c'est trop tard. Mais elle met trop de temps, cet arbitre. La porte est ouverte. Et pourquoi elle sort pas, Bianca? Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur. Quelle erreur. Ah là, c'était une énorme erreur de pas sortir. Elle aurait dû en profiter. Et voilà. Et voilà, elle va l'endormir. Non. Non, 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 c'est bon. Oh. Et sous la arrière. Souplesse avant. Allez, Bianca. Ne fais pas la même erreur. Descends du coude. Ça peut suffire. 1, 2. Ah, Asuka est toujours là. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle n'a pas dit ses derniers mots. Qu'est-ce que... Oh, et cette fois ça passe. 1, 2 et 3 victoires, ça passe. Et la victoire par tomber dans la cage de Bianca Belair. La Miss Money in the Bank remporte ce match. Et bah Asuka, est-ce que Bianca est la prochaine challengeuse au titre de Bayley en plus d'avoir la mallette? C'est fort possible, probable. Bien joué à Bianca. Très belle victoire ce soir et très beau match en cage. Ah oui. C'est un autre match féminin qui nous attend, mais cette fois-ci c'est un match pour le WWE Women's World Championship. On accueille la challengeuse, accompagnée de sa pote, de sa copine. On accueille Indy Hartwell et Candice LeRae. Ça c'est cool, ça va être un beau match. Bayley contre Indy Hartwell. En plus, Candice LeRae, je veux pas dire, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue en action. Justement, on sait qu'elle a fait son retour il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et ça fait plaisir. Est-ce que c'est l'heure pour Indy Hartwell d'être championne mondiale féminine? Honnêtement, je pense que c'est trop tôt et qu'elle ne pourra pas battre Bayley. Parce que Bayley, bah c'est Bayley, elle est imbattable. Hein, voilà. Et voici l'adversaire. Et c'est... Alliés, on accueille Damage Control, mesdames, messieurs. Bayley, la WWE Women's World Champion, accompagnée de Dakota Kai. On la salue. Et Io Sky. Et on précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver certaines superstars de la WWE sur des streams Twitch. D'ailleurs, Dakota Kai a une chaîne Twitch.
où elle perd souvent au jeu où il faut monter le plus haut possible dans le ciel, donc j'ai totalement oublié le nom. C'était très drôle, je tiens à dire que j'ai vu ce stream là et c'était très drôle de l'avoir tombé de très très haut. Voilà. Le seum était présent, le sel était là, la salière était bien pleine. Bailey va-t-elle être salée également si elle perd ce soir face à Indy Hartwell? C'est possible. Mais est-ce qu'elle va perdre? Ça, c'est un autre problème. Introducing the challenger from Melbourne, Australia, Indy. And her opponent, from San Jose, California, she is the WWE Women's World Champion, Bayley! Elle est imbattable, elle est indétrônable. Si vous n'avez pas vu son best-of dédié à Bayley, hein, du mode univers, vous pouvez le voir, bien évidemment. Il est disponible. Hartwell, Bailey. Et c'est parti pour ce match. Oula, on aurait cru entendre le début d'une musique. Et c'est parti. Bon, Bailey est là. Oh, qui s'attaque au bras déjà de Indy Hartwell. Projection dans les cordes, coucou d'Indy. Ancienne championne par équipe féminine de NXT. Hurricane Runner. Star Spine Buster. Oh, Indy Hartwell qui maintient. Et Clothesline. Et Clothesline encore. Breaker. Tout le monde est en rouge ce soir, ça tombe bien, le logo de Payback est en rouge également. Vive le rouge. C'est ce qui coule dans nos veines. Normalement. Et le splash d'Indy qui a touché parfaitement la cible. La tentative de tomber. 1, 2. Qu'est-ce que... Mais Indy Hartwell qui est perturbé par Dakota Kai. Oh non. Bailey en profite. Coup de coude. Ah oui, logique. On aide sa chef. On fait tout pour perturber l'adversaire. Par Bailey. Et encore une descente du coude. Et we want some Bailey. Ouh. Ah. Là, vous connaissez. Coup de pied de Bailey. Tiriti. Parfaitement porté par la championne. Qui normalement devrait pas avoir de difficulté à battre Indy Hartwell. Hein. Normalement. Et descente du coude. Oh oh oh, le crossface porté en plein centre du ring. Ah, elle va pas abandonner, elle va pas abandonner. Ah non, elle abandonne pas. Oh là là. Et le close line, il est Bailey qui passe par-dessus la troisième corde. Oh bah qui tacle Indy Hartwell tout de même. Oh, belle esquive.
sur une projection. Oh, contre la barrière de sécurité. On a 7, attention au décompte extérieur. 8, oh non, pas comme ça. Non. Remonte, remonte. 9, remonte Indy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fout? Oh mon dieu, elle m'a fait peur. À une seconde près. Bon, ça c'est licenciement, ça. Et Dakota Kai qui vient encore perturber Indy Hartwell. Et ça profite à Bailey. Aïe aïe aïe, le tombé. 1, 2, dégagement. Oh oh. Oh. Ça fait ma descente du coude sur le dos. Oh, la descente du coude à l'aide des cordes. Le tombé. Allez, l'arbitre. 1, 2. Ouh, la frustration. Regardez la frustration d'Indy Hartwell qui commence sérieusement à s'impatienter et à s'énerver. C'est pas bon du tout. Ça la déconcentre et voilà, voilà. Exactement, ça la déconcentre. Et ça profite à qui? À Bailey. 1, 2. Oh, Bailey qui s'impatiente aussi, qui s'énerve. Descente des points. Qu'est-ce que... Oh bah oui, bah forcément, hein. C'est bien de faire ça, hein, d'écraser le visage des gens sur le sol. C'est bien, Bailey, on est fiers de toi. Elle a appris. Bah, c'est ce qui s'appelle manger le sol. Elle lui fait bouffer le sol. Parce qu'Indy Hartwell revient pendant ce temps. Oh là là. Attention Bailey, à pas se faire avoir facilement, à rester concentré. Elle reste concentrée. Regardez, regardez, elle est parfaitement concentrée. Allez, il faut la faire abandonner. Au bout. Allez. Elle résiste, elle résiste. Elle résiste bien à la Indy Hartwell. Oh bah oui, elle résiste bien, elle réussit même à se dégager. Oh. Pied. Oh non, 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 si ça passe. Et c'est passé. Alors là, 1, 2, 3. Et Bailey reste le WWE Women's World Champion. Eh oui, bah oui, bah c'est Bailey. Bien joué à notre Bailey qui est là depuis des années, qui continue d'impressionner et d'enchaîner les titres et les conservations de titres. Quelle femme. And still, WWE Women's World Champion. Exceptionnel Bailey, tel est son nom. The following contest is scheduled for 1-4 and is for the WWE World Heavyweight Championship. Et ce match est un match pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Très important ce match. Qui est parti un peu en vrille entre les deux adversaires de ce soir en accueil. Le challenger accompagné de son crew. The Phenomenal AJ Styles. Luke Gallows, Karl Anderson et Mia Yim.
The OC. Ah oui, AJ Styles, il vient pas tout seul. Il a tout le crew avec lui. Hors de question de venir seul face à Sheamus, qui a montré lors du dernier Raw ce lundi qu'il était un petit peu trop haineux envers AJ Styles, qu'il voyait en AJ Styles une potentielle menace, peut-être même de la peur, hein, parce qu'il voit que AJ Styles est quand même à un niveau au-dessus. Et ensuite il a attaqué avec une échelle, donc bon, voilà, c'est pas rien. Alors peut-être qu'avec Karl Anderson, Luke Gallows et Michi Mihaim, ça va le dissuader, à moins que Sheamus vienne avec son crew également. Hein. Il y a les Brawling Brutes à côté. On va voir. Et voici donc l'actuel World Heavyweight Champion qui vient tout seul. Il vient tout seul, le guerrier Celt, Sheamus. Le titre, il a fait des va-et-vient un peu partout, hein, depuis qu'il est de retour. Il a fait Sheamus, Nakamura 7 jours plus tard, à nouveau Sheamus. Là, c'est AJ Styles qui veut le détenir. Ah, il y a déjà un beau palmarès pour ce tout nouveau titre du monde poids lourd. Attention, attention, parce que c'est le clash Sheamus et AJ Styles. On est sûr qu'on aura du niveau dans le ring. Voilà, on est sûr qu'on aura quelque chose de bon, du bon catch comme on aime. La violence des coups avec Sheamus, la technique et l'agilité avec AJ Styles. Ça ne peut pas être mauvais, voilà. Introducing the challenger from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ. And his opponent, from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, he is the WWE World Heavyweight Champion, the Celtic Warrior, Sheamus! Les deux hommes sont prêts, cette ceinture l'est également. Bonne chance, messieurs. Faites-nous du beau catch, comme on dit. Fair play. On va pas se mentir, mais AJ Styles avec le titre du monde poids lourd, ça fait rêver. Ça fait clairement rêver. Même si Sheamus, il a le titre depuis pas très longtemps, on va pas le pouvoir perdre, mais une chance. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est le meilleur qui va gagner. Et ça commence fort avec Sheamus qui porte les premiers coups envers la sage personne qui est AJ Styles. Projection dans les cordes, il passe par-dessus. Oh, ah, rapidité là. Il y a Luke Gallows et Karl Anderson qui sont en train de limite prier à l'extérieur pour que AJ Styles gagne. Aïe 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 aïe, c'est pas avec ça qu'il va gagner. En plus, un AJ Styles champion, on va pas se mentir que ça fait un bon moment qu'on l'a pas vu. Robreak, et oui, le pied est sous la corne. Et oui. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de se poser là. Oh, c'est bête ça, c'est une erreur. Oh bah oui, bah bien sûr. Oh bah encore. Attention, Sheamus.
Parce qu'il se jette. Oh, ce coup d'épaule. À l'extérieur. Oh, la puissance de l'Irlandais. Oh. Et le neckbreaker de Sheamus. Attention, on est à 6, c'est un match simple. Ouh, ouh la Témi, ouh, ouh encore la Témi. Attention, Majestas, oh la clothesline. Il va le tenter déjà. Hein? Ah bah oui, bah, c'est un peu trop stupide de tenter maintenant. Oh l'esquive, oh l'esquive, oh qu'elle fait mal cette esquive au genou gauche. Et il garde l'avantage, Sheamus, AJ Styles. Il est chaud, il est très très chaud, le Phenomenal One. Ancien champion universel. À plusieurs reprises. Le leg lock est porté. Oh, oh le coup de coude sur le dos, ouais. Il était violent. Attention Sheamus. Attention Sheamus. Attention. Oh là là, c'est pas vrai. Sheamus qui vise les jambes, hein. Regardez depuis tout à l'heure le travail qu'il fait sur les jambes pour à tout prix blesser. Ah, c'est vrai que AJ Styles sans ses jambes il fait pas grand chose et surpasse pas par dessus les épaules. La puissance, l'expérience de Sheamus. Attention. Oh, AJ Styles qui a anticipé. Ah, c'est très bien. Oh, le Sky Slash. 1, 2. C'est passé. Le Styles Clash est passé. Aïe, aïe, aïe. Il est foutu, Sheamus, là, non? Non. À moins que... Ouf, oh, le dropkick. Ah, le Styles Clash est passé une fois maintenant. Ça va être très compliqué pour le champion. Oh, y a le rebreak. Enchaîne pour AJ Styles. Ah, il se fait avoir facilement par Sheamus. Non. Bro kick. Oh non. Un. Deux. C'est compliqué. On va dire qu'il y a égalité. Allez. Témi, coup de pied, coup de pied. Et close line, parfait comme enchaînement pour AJ. Bon, vous le sentez venir.
Phénoménal, forearm. C'est passé. Ça peut suffire. 1, 2. Et oui. Un new World Heavyweight Champion. AJ Styles est champion du monde poids lourd. Et bien décidément, Shane champion, ça ne réussit pas du tout. Ah, oh, ben ça fait plaisir, AJ Styles est champion. Et ben voilà. Mesdames, messieurs, it's main event time. On accueille le premier ours. It's scheduled for 1-4, making his way to the ring from San Francisco, California, weighing in at 251 pounds, Jimmy Uso. Jimmy Uso, mesdames, messieurs. Hashtag le traître. Ce match, mesdames, messieurs, a une stipulation ajoutée depuis hier. Si Jey Uso perd, il doit quitter la WWE. Jimmy Uso a attaqué Jey Uso après que celui-ci il a réussi ou il n'a pas réussi. Bon, je sais plus si Jey Uso a réussi à se qualifier en tant que challenger ou pas. Pour le titre de son cousin Roman Reigns. En tout cas, Jey Uso a attaqué Jey. Ce soir, règlement de compte. Et voici, mesdames, messieurs, Main Event Jey. From San Francisco, California, weighing in at 242 pounds. Main Event Jey. Eh oui, Main Event Jey Uso est dans la place. Première fois de l'histoire que Jey affronte Jimmy Uso en Main Event. Alors je ne sais pas hein, si dans le mode univers ça s'est déjà fait. Jey contre Jimmy. Et si ça ne s'est jamais fait, ben c'est la première fois que ça se fait. Et en Main Event. Attention. Est-ce que Roman Reigns et Solo Sikoa doivent regarder ce match de très près? Jey Uso, oh ben ça, alors là, commencer comme ça c'est une erreur. Jey Uso, lui, n'a qu'une envie, c'est de se venger. Jimmy, il a dit pourquoi il a fait ça. C'est par amour qu'il a fait ça. Il veut pas que Jey Uso subisse la haine de Roman Reigns. Il veut pas que Jey Uso affronte Roman Reigns parce que il a peur pour son frère. Jey Uso, lui, il a vu ça comme une trahison. Le topé suicida. Oh pff. On a des décès ensemble déjà. Jey Uso. Et super kick. Oh là bah non mais. Jey Uso il fait ça par amour, donc est-ce que tu vas faire virer ton frère de la compagnie par amour également? Là, c'est fort quand même hein. Jey Uso lui, il a pas l'air de comprendre. Il n'a pas l'air de vouloir essayer de comprendre, justement. Pour le coup, je le rejoins. Attention, c'est bien fait. Tentative de tomber de Jey. Un dégagement immédiat de Jimmy. C'est un match simple. Bien évidemment, pas de stipulation. Oh la claque. Et Jey Uso qui saigne. Hein. Ah, on va jusqu'au sang entre les frères. Ah, c'est payback. C'est une revanche.
Breaker porté par Jimmy. Attention. Oh là là. Oh la guillotine. Et coup de coude. Et dropkick. Oh. Et coup de coude. Encore une fois. Oh. Allez, Che. Allez, Main Event Che. De quel team êtes-vous? N'hésitez pas à le dire dans la section commentaires de ce Premium Live Event. Et Morchette. Oh, Super Kick Party. Ah non, c'est pas là. Oh là, aïe. Jimusu qui reprend l'avantage. À cause de cette petite erreur de Jimmy. Tentative de tomber. Allez. 1. C'est pas vrai. Et Jimusu qui se fait huer. Really? Ah, il doit y avoir des teams Jimmy, alors ça doit être possible. Tentative de tomber. 1, 2. Pas encore. Tiens, je vais le brise mâchoire. Ah, ça mâche pas ses coups entre frères. En même temps, ça ne s'est jamais fait dans la famille. Entre les fils de Rikishi. Projection dans les cordes. Super Kick Parton. Le tomber. 1. 2. Est-ce que c'est pas un dream match, les Usos contre les Young Bucks un jour? Vraiment. C'est un dream match, on est d'accord. Il faut que ça se fasse, hein. Neckbreaker. Comment ça, c'est une porte interdite? Eh bien, on l'ouvre, cette porte. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Oh, Jimusu qui fuit un petit peu, là. Il voit qu'il n'arrive pas, qu'il est en train de se faire avoir par Jimmy. Oh, non. Oh, ça moins drop. Il se fait avoir, Jimmy est en train de se faire avoir. Alors que Jay est challenger numéro 1 pour le titre indisputé de Roman Reigns. Est-ce qu'il va se faire virer? 1, 2, 1, non, mais what? Jimmy Uso vient de faire virer son propre frère, Jay Uso, de la WWE. Oh my god. Oh, la clim. Oh, la clim intersidérale pour cette fin de paper de Premium Live Event de Payback. Jimmy Uso remporte le match et bat son frère Jay. Qu'est-ce que... What? Mais non. Oh oh. Oh oh. Ah, alors là, je crois que l'on a attiré l'attention d'un certain Tribal Chief. Roman Reigns est à Payback. Eh oui. Eh oui, parce que ça reste les cousins, ça reste la famille, même s'ils l'ont un petit peu trahi. Oh oh. Qu'est-ce que Roman Reigns vient faire là? Jimmy Uso reste dans le ring. Alors là.
Oh le regard qui a l'air pas fier mais pas dégoûté non plus de ce qui vient d'arriver. Pourquoi Roman Reigns vient au ring? Mais c'était fini là, c'était terminé, voilà, Jey Uso, au revoir, salut, tchuss. Roman Reigns. Il est en tenue, hein. Il est en tenue de catch. On va pas avoir un match en plus, là, pas Roman Reigns contre Jimmy Uso. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy Uso? Jimmy Uso qui tente d'attaquer Roman Reigns. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Mais il est complètement fou, pourquoi il fait ça? Ou est-ce qu'il a senti le truc venir? Est-ce qu'il a senti le truc venir? Parce que si Roman Reigns vient, c'est pas pour échanger des mots avec Jimmy Uso. Oh, il prend les escaliers. Oh, il prend les escaliers. Ah, Jimmy Uso qui comprend pas. Jimmy Uso qui comprend pas, mais... Qu'est-ce que fait Roman Reigns encore avec les escaliers? Non, c'est pas possible, Jimmy Uso qui se défend. Roman Reigns, il ose pas, Jimmy Uso. C'est pas possible, ça n'est pas possible. On va avoir un passage à tabac. Il va le défoncer, est-ce qu'il est en train de tenter de... Oh non, coup d'escalier. Oh là là, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de venger Jey Uso? Ou est-ce qu'il est purement en train de punir Jey Uso de ce qu'il vient de faire? Oh, c'est pas possible. Oh, cette fin de Payback 2023. La Bloodline implose complètement. Jey Uso est viré. Roman Reigns passe à tabac Jimmy Uso. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, 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 il a pris la ceinture à disputer. Il a pris la ceinture à disputer. Oh, le coup de ceinture. Oh, c'est pas possible. Oh, déjà que ça se terminait tragiquement, alors là ça se termine encore pire. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Mais non, mais laisse-le tranquille ce pauvre Chibi. Oh là là. Qu'est-ce que Roman Reigns fait? Mais où est Paul Heyman? Où est Solo Sikoa? Oh là là. Oh, c'est pas possible. Eh ben voilà. Il a passé à tabac son cousin. Il est content. Bravo. Bien joué. What? What? Non, c'est pas possible. Mais ça ne se terminera jamais ce payback. Oh, he's back. Il est de retour. John Cena est dans la place. Mais what? Alors là, qu'est-ce qu'il vient faire là? We don't understand. En plus, John Cena qui interrompt Roman Reigns, quoi. C'est John Cena qui... Bah oui, Roman Reigns qui vient forcément dans le ring. Et Cena qui l'enchaîne direct. Parce qu'il a vu, s'il a vu que Roman Reigns était dans le ring pour forcément l'interrompre et l'attaquer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on... À quoi on est en train d'assister là? Et Roman Reigns qui donne les coups quand même. Et Cena qui... Oh bah oui. Oh my god. Coup de pied, Cena. Cena qui attaque le champion indisputé universel de la WWE, Roman Reigns. C'est pas possible. Et tout le monde attaque tout le monde ce soir. C'est la fête. C'est la fête. C'est une fête. Oh, Cena, il a enlevé le t-shirt.
ça y est, il a fini de tourner sa série là, comment il s'appelle déjà ce super-héros là, on sait plus. Le Peacemaker, voilà, c'est ça, le Peacemaker. Bon, le prochain face est Furious, on sait pas. En tout cas, il attaque Roman Reigns, et ça, ça va pas du tout. Oh là là. Ah, il faut s'arrêter. Ah ben voilà. Voilà, il a décidé de s'arrêter. John Cena, mesdames, messieurs, est de retour. Et ça conclut, on espère, cette fois-ci, WWE Payback. Bonne soirée à tous. Les semaines à venir promettent du lourd avec cet homme.